Fondée en 1983, la société Capcom s'est rapidement taillée une solide réputation en tant que développeur de jeux d'arcade. L'épisode de Retro & Magic d'aujourd'hui reviendra sur trois jeux Capcom en particulier, qui, à défaut de faire partie d'une même série, sont liés par un thème commun, la fantasy. Sorti en 1990, Magic Sword Heroic Fantasy n'est pas strictement parlé un beat'em up, en tout cas pas dans son acceptation moderne. Il s'agit d'un jeu d'action à scrolling horizontal dans lequel le joueur, dans la peau d'un musculeux guerrier simplement nommé le Brave, doit triompher de hordes d'ennemis avant de passer au niveau suivant. Son but est d'atteindre le sommet de la tour du maléfique sorcier Drockmar afin de mettre un terme à la menace qu'il fait peser sur les peuples libres. Évidemment, l'ascension de 50 étages de la tour sera ponctuée de combats contre des boss qu'il faudra abattre. L'une des particularités de Magic Sword est son système de compagnons. Le Brave trouvera régulièrement des clés qu'il pourra utiliser pour ouvrir des cellules. Celles-ci contiennent le plus souvent un aventurier prêt à l'accompagner dans sa quête. Chacun possède des capacités différentes. L'Amazone tire à l'arc, le géant balance des haches, le sorcier envoie des projectiles magiques, le prêtre génère une sphère de protection et ainsi de suite. Mais un seul d'entre eux peut accompagner le Brave à la fois. Au joueur de décider, après avoir ouvert une cellule, s'il souhaite remplacer son compagnon actuel par un autre. Proposant des graphismes très colorés et une bande-son entraînante, Magic Sword est un bon jeu, bien réalisé et amusant, mais n'est pas particulièrement mémorable ni innovant. C'est en quelque sorte le chaînon manquant entre Black Tiger, un autre jeu Capcom sorti 3 ans plus tôt, proposant une thématique très proche, mais beaucoup plus orientée plateforme, et les autres jeux présentés dans cette émission. Magic Sword sera porté sur Super Nintendo en 1992, perdant au passage le sous-titre Heroic Fantasy. Très fidèle à la version arcade du point de vue du gameplay, cette conversion a néanmoins souffert du point de vue de la réalisation, en particulier au niveau des graphismes et des animations. Sorti sur borne d'arcade en 1991, The King of Dragons semble être la réponse de Capcom à Golden Axe. Proposant un gameplay et une ambiance très similaire aux jeux cultes de Sega, The King of Dragons se permet même d'y faire quelques clins d'œil directs, comme la présence d'un ennemi portant un sac rempli de trésors que le joueur devra intercepter avant qu'il ne s'échappe, rappelant évidemment les gobelins de Golden Axe. The King of Dragons peut se jouer jusqu'à 3 simultanément, et les joueurs peuvent choisir leur avatar parmi 5 proposés, l'elfe archer, le magicien, le guerrier, le clerc et le nain. Ces valeureux aventuriers doivent explorer le royaume de Malus afin d'oxyre le maléfique dragon Gildis, fraîchement réveillé et un brin soupolé. La routine habituelle en somme. Proposant une grande variété d'ennemis issus du bestiaire classique des jeux de rôle d'Heroic Fantasy, The King of Dragons est un beat'em up très efficace. De nombreuses touches d'humour parsèment le titre. Par exemple, l'un des items que le joueur croisera durant son périple est un orbe magique qui transforme tous les ennemis présents à l'écran en crapauds. Ramasser des trésors permet également au personnage de gagner des points d'expérience, devenant progressivement plus puissant et plus résistant. Il trouvera également sur son chemin de nouvelles armes et boucliers. The King of Dragons possède des graphismes très soignés et une bande-son trépidante composée par Shimomura Yoko, qui co-signait la même année les musiques de Street Fighter 2, mais probablement plus connu aujourd'hui pour son travail chez Square Enix, notamment sur la série Kingdom Hearts. Par bien des aspects, The King of Dragons préfigure les deux beat'em up estampillés Donjons et Dragons que Capcom réalisera quelques années plus tard, Tower of Doom et Shadow over Mystara. The King of Dragons fera lui aussi l'objet d'une conversion sur Super Nintendo en 1994. Très bien réalisée, celle-ci fait honneur à l'original sur arcade. En novembre 1991, à peine 2 mois après l'arrivée dans les salles d'arcade de The King of Dragons, Capcom dévoile un autre beat'em up, Knights of the Round. Le fossé technique entre les deux jeux est impressionnant. Avec ses énormes sprites et ses décors d'une très grande finesse qui semblent tout droit sortir d'un dessin animé, Knights of the Round est une belle démonstration des possibilités offertes par le hardware maison de Capcom, le fameux système CPS. Comme son nom l'indique, malgré l'absence mystérieuse du mot « table » dans son titre, Knights of the Round s'inspire librement de la légende du roi Arthur. Plus particulièrement, il semble évident que le film Excalibur de John Boorman a servi de référence aux artistes de Capcom. Le design de certains personnages comme Merlin, calqué sur son apparence dans le film, en est la preuve flagrante. Jouable à 3 simultanément, Knights of the Round propose d'incarner Arthur, Lancelot ou Perceval et d'unifier la Grande-Bretagne par la force des armes. Ben oui, Arthur est chef de guerre, il n'est pas là pour agiter des drapeaux et jouer de la trompette. De champ de bataille en château assiégé, à pied ou à cheval, les 3 pro-chevaliers devront défourailler force vilain afin de mettre un terme au règne de terreur du malfaisant roi Garibaldi. Oui d'accord, lui ne vient clairement d'aucune version de la geste arthurienne et sort donc tout droit de l'imagination des développeurs de Capcom.
Comme dans The King of Dragons, ramasser des trésors permet de gagner des niveaux d'expérience. L'apparence des personnages évolue pour illustrer leur gain de puissance. Les fans de Capcom remarqueront d'ailleurs que l'évolution d'Arthur au fil du jeu est un clin d'œil appuyé à son homonyme de la saga Ghosts and Goblins, avec son armure de fer qui devient armure d'or. Bien que très classique dans son déroulement et même un peu répétitif comme tous les beat'em up, Knights of the Round compense par une réalisation de haute volée et parvient sans mal à garder l'attention du joueur. Comme ses prédécesseurs, Knights of the Round sera adapté sur Super Nintendo. Il s'agit ici aussi d'une très belle conversion, très fidèle à l'original. Et si on note une perte de qualité sur certains effets sonores, en particulier les voix numérisées, les compositions musicales signées Abe Isao ont presque plus de pêche sur la console 16 bits. Magic Sword, King of Dragons et Knights of the Round sont trois exemples parmi d'autres de la grande qualité des productions Capcom sur arcade. Pour beaucoup d'amateurs de jeux 2D, les jeux développés pour le système CPS et son successeur, le CPS 2, représentent l'âge d'or de Capcom. Et même si la société a connu de nombreux grands succès sur console par la suite, c'est véritablement dans les salles d'arcade que Capcom a forgé sa légende.